you gotta be what you are. Only thing I'm missing is a black guitar. I'm a rock star. Hey, baby, I'm a rock star. Hey, baby. Je peux te le dire. Avec mon cigare, ce qui bat le cigare qui tombe, je tombe. Nanar, ça fait quoi de s'asseoir pour la dernière fois sur cette chaise? Ça fait drôle. Et en plus, je me suis bien marié, je connais plein de gens, mais ça fait drôle d'être assis la dernière fois sur mon... Comme dit l'autre, ils ont élu deux papes, c'est moi le pape ici, voilà. Avant, il y avait Jean-René Goujon, maintenant c'est moi le pape qui s'en va. Voilà. Mais j'ai bien rigolé ici. Il y a beaucoup d'histoires ici. Oh, si je racontais tout, on pourrait faire un film et un livre, hein. Mais si je raconterais tout, je serais en prison ou je rigolerais bien, mais on s'est bien marré, voilà. Les plus grands moments que tu as passés ici, c'est quoi? Moments d'Ourasi, Traducal, les anciens jockeys, Jean-Marie, Jean-René Goujon, Gaston Pelletier, je connais tout ça, mais on a connu une belle vie. Maintenant, les jockeys, ils ont une vie de... Je les plains parce qu'ils sont jamais chez eux, ils courent à droite, à gauche, je sais pas comment ils font, ils ont la moelle, hein. Je sais pas comment ils font pour aller à droite à gauche, mais moi je suis chez moi déjà, je reste pas chez moi, alors c'est encore pire. Voilà. On remarque que tous les drivers, avant de venir sur la piste, viennent te serrer la main régulièrement. C'est une forme de respect pour toi, tu as gagné le respect de tous les acteurs ici. Ben, le problème il est, c'est que je me déplace sur certains jockeys, M. Krutoff, M. Jean-Pierre Dubois. Sinon, la plupart viennent me dire bonjour. C'est une. Comme Jean-Pierre Viel, Pierre Olévêque, j'ai connu tout gamin, Philippe Allaire. Et nous avons une relation qui, je sais pas comment, mais moi je suis comme je suis. J'ai un franc-parler qui plaît pas, mais on a une relation. J'aurais sauvé la mise plus d'un fois au départ. Et comment dirais-je, nous avons une relation. Voilà, c'est tout, on a un feeling, comme dit l'autre. Hein. Bon, je dis pas du, moi je dis jamais du mal d'un tel qui a mal drivé et puis voilà quoi. Mais c'est vrai qu'on a tous les mecs qui me disent bonjour là. Je crois pas que je connais un mec qui dise mal. Non, moi je pense pas à Vincent là. Une belle photo là. 40 ans de maison avec lui. Bah, 40 ans ensemble, tu vois. Hein? Tu vois mal. Est-ce que toi t'as connu en fait l'ancien Vincennes, le nouveau Vincennes? Pour toi la plus belle époque des courses c'était quand? Plus belle époque des gourds, c'était en des années 80 jusqu'à 90, que les mecs ils vivaient, parce qu'ils ne vivent plus, les mecs, il y avait moins de courses que maintenant. Non, il y a plein de courses maintenant, à droite, à gauche, ils sont partout, les mecs, ils n'ont pas de vie, ils font de l'avion, ils font de la route, ils font du train. Que dans le temps, les paysans, les vieux paysans, je travaillais chez Goulier, gagnaient 4 courses dans l'hiver, ils étaient peinards, ils avaient fait la fortune comme les autres. Hein. Voilà, c'était heureux les gens, ils vivaient quoi. Toi, tu as fait le métier avant, Bernard. Est-ce que tu penses que maintenant, c'est un rythme de fou pour les professionnels? Ben, je pense que oui, c'est pour moi, c'est une vie de fou parce que je sais pas comment ils font pour voir leurs enfants grandir. Hein. Parce qu'ils sont toujours à droite, à gauche, entre le boulot, les courses, les engagements, les propriétaires au téléphone. Je sais pas comment ils font, ils ont la moelle. Hein. Ils ont la moelle. Moi, je pourrais pas. Ça va être quoi la future vie de Nanar maintenant? Ben, comme je dis à tout le monde, je vais acheter un fusil puis un avocat. Alors tout le monde dit, pourquoi un fusil? Tuer ma femme, un avocat pour me défendre. Voilà, un bel enterrement, il y avait du monde. Mais ça court vite. Arrosé en tout cas. Bah oui, bah nom de Dieu, oui. Ça, messieurs. Ouais. Ça va, Guillaume? Ah oui, on attend la caméra, ça va. Tu connaissais même pas? Ça va. Qui? Okay. Dogbox, on appelle ça. Non, ça c'est le restaurant de la paille, ça. Non, mais c'est bien. Dans la vie, il faut dire un stop. Tu vas pouvoir arrêter de venir à Thank you.
Yeah.